Bonjour à toutes et à tous, bienvenue camarades pour une nouvelle vidéo présentation voiture URSS. Bon, ok, d'accord, j'arrête tout de suite l'accent. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui sur la piste d'Oulton Park en Angleterre pour découvrir l'Estonia 21, une voiture venue de l'Est comme son nom l'indique pour Assetto Corsa, un mode gratuit évidemment que vous retrouverez dans la description. On est ensemble aujourd'hui pour deux petites courses d'à peu près 3 tours. Je ne sais pas encore où nous allons aller pour la deuxième, mais pour la première, on est donc sur Oulton Park avec cette voiture, l'Estonia 21, monoplace de Formule 3 des années 80 que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a pas mal de particularités pour sa catégorie. On va les évoquer. Et d'ailleurs, grâce aux informations qui nous sont données et dans Assetto Corsa et ce que j'ai pu moi-même récolter sur Internet en fouillant un petit peu, en préparant cette découverte. Évidemment, comme à l'habitude, vous le savez, on va vous montrer ça. Attention de... J'ai touché évidemment. Alors voiture qui est assez délicate dans son comportement pour deux raisons. La première, eh bien, c'est qu'elle est dispensée d'aileron avant et qu'elle dispose de jupe. On y reviendra un petit peu plus tard. Cette voiture a été créée dans les années 80 par Raoul Charap de l'usine Tark. Cette usine fabriquait des voitures sur base de la Lotus 81 que l'on reconnaît notamment à son aileron avant, qui était utilisé en Europe notamment en Formule 3. Et cette voiture était donc équipée d'une boîte 5 vitesses, hein, qu'on a bien évidemment ici, boîte en H. Hein, il faut user de la boîte à crabeau avec de l'embrayage si vous voulez vous amuser. Et cette boîte 5 vitesses était couplée à un moteur Lada 1300, de quoi s'amuser avec une voiture et une caisse surtout extrêmement légère. Cette voiture donc a été dans plusieurs pays disponibles, surtout bien dans les pays de l'Est. Elle a connu ses champions, hein, je citerai le très connu Victor Kozankov, évidemment, que vous connaissez tous, jamais entendu parler. Mais bon, cette voiture a été conduite par beaucoup de monde, mais pas vraiment de pilote connu, si ce n'est peut-être celui dont j'ai opté pour la livrer, Tovio Hasmer, que je connaissais de nom, mais alors je ne sais pas d'où. Cette voiture donc a été produite à environ 300 exemplaires, ce qui l'a rendue très rare. Elle a quand même sévi pendant près de 10 ans sur les circuits pour un championnat de Formule 3, avant de disparaître au début des années 90, évidemment, et de se retourner vers des choses comme la course de côte, par exemple. Mais il faut constater que c'est une voiture assez particulière pour une chose, c'est que dans l'histoire c'est la première monoplace à avoir, en Formule 3 en tout cas, si ce n'est la seule, parce que j'en vois pas d'autres, il y en a peut-être, dites-le moi en commentaire, et bien qui disposait de l'effet des jupes. Alors les jupes, si vous êtes jeune, vous ne savez pas encore ce que c'est, quoique peut-être pas ces jupes là, mais bref, les jupes en fait étaient deux bandes qui étaient placées sur les pontons gauche et droit des voitures et qui permettaient de canaliser l'air sous cette dernière. Et une forme de fond plat sous forme de venturi en cône permettait de souffler l'air et de coller la voiture au sol, ce qui permettait des passages en courbe absolument hallucinants, et à tel point qu'on en était à supprimer les ailerons, ce qui était le cas ici avec l'aileron avant retiré comme c'était à la mode dans les années, attention, 70 et 80, grâce au génie de Colin Chapman, hein, l'ingénieur qui a dessiné bon nombre des Lotus qui ont fait et refait l'histoire de la course automobile. Bref, cette phase est en fait, on va parler un petit peu du comportement de ce bolide avec une liaison au sol qui est sans faille, évidemment, due au comportement des jupes sur la voiture, mais difficile tout de même d'aller placer l'avant de cette voiture sans bloquer les roues déjà, de placer l'avant de cette voiture dans le virage. Une fois que vous avez inscrit la bonne trajectoire, la courbe se dessinera toute seule et vous n'allez plus pouvoir décrocher avec le pied au fond. Ça ira sans problème. En tout cas, c'est une voiture dont le comportement est assez original, ce qui m'a incité aussi à vous faire cette petite vidéo. C'est que, elle glisse effectivement, mais une fois qu'elle est en courbe, c'est extrêmement impressionnant. Malheureusement, sur le jeu, on ne voit pas très bien le comportement des jupes, hein, on ne le voit pas toucher le sol, ça n'a pas vraiment d'affluence visuelle, mais en tout cas, sur le gameplay, ça en a et c'est finalement le plus important. Je vais vous laisser profiter un petit peu du son en vue extérieure de cette voiture. On ne l'a pas encore évoqué, mais je vous laisserai cette voiture en vue externe et interne tout au long de cette vidéo. Mais avant, j'aimerais attirer votre attention sur un point, puisque grâce à la magie du montage, vous verrez la voiture en vue extérieure, le petit défaut de réalisation, parce qu'elle est parfaite, hein, visuellement, cette voiture, elle n'a absolument aucun défaut à mes yeux. C'est le bras du pilote qui, lorsque vous croisez ou décroisez dans un virage, passe un petit peu à travers les bords de la carrosserie, mais ça n'est pas non plus catastrophique, sauf que parfois, quand vous prenez une photo, ça peut vous déranger. Bref, je vous laisse profiter de la fin de ce troisième tour de course en vue TV. Moi, je me concentre un petit peu sur ce qui se passe derrière le volant de cette Estonia 21. Et on se retrouve tout de suite pour vivre la deuxième course découverte de cette voiture.
un envol plutôt moyen ici face au Metalex. Genre, je ne l'ai pas évoqué, mais on roule face aux Avia et au Metalex, les deux autres voitures de l'Est disponibles pour Assetto, que j'ai pu vous faire découvrir donc en track day un peu plus tôt il y a quelques mois sur cette chaîne. Alors, cette voiture, on va parler un petit peu ensemble de ses spécificités techniques. Je vous le disais, elle est équipée d'un moteur Lada 1300 cm3 qui développe 120 chevaux, il faut pas plus. Pourquoi ? Parce que cette voiture est extrêmement légère et vivace. 450 kg sur la balance, ça n'est rien du tout. Alors forcément, ça nous donne des vitesses de pointe assez hallucinantes, 200 km/h, ce qui peut paraître anodin, mais pour ces petites monoplaces produites un petit peu à l'artisanat, c'est quand même correct. Et on va freiner surtout, voilà. J'ai opté pour une livrée assez sympathique bleu qui n'est pas sans rappeler les Ligier de l'époque en Formule 1. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. Allez, je vais vous passer en vue, si je peux, en vue on-board pour que vous voyez maintenant à travers les yeux du pilote ce que propose la vue embarquée de cette voiture, avec notamment l'attention toute particulière amenée au pommeau sur le côté qui est bien évidemment présent, pas fonctionnel mais présent. Alors, une voiture donc qui fait le 0 à 100 en 4 secondes, hein, assez correct pour l'époque. Et assez fine également dans le détail, je vous disais le cockpit à l'instant, mais aussi la réalisation globale. La voiture est très jolie, pas de problème de texture, de reflet, de bug. Bon, les rétroviseurs sont un petit peu à la ramasse selon la caméra que vous choisissez, mais ça reste du modding. Au niveau du son, c'est aussi également correct. Et la physique est un petit peu originale, donc vous avez plein de bonnes raisons de venir télécharger cette voiture et de vous amuser. Je vous invite aussi à prendre donc la Via 02 et la Metalex, les deux autres voitures dispo, histoire de vous faire une grille un peu plus complète, parce que uniquement cette Estonia, ça vous proposera 9 petits skins, alors que là j'ai freiné, je ne sais pas comment, je n'ai pas percuté la voiture devant moi. Elle ne vous proposera donc que 9 skins différents, mais je compte sur la communauté pour nous faire des grilles complètes comme elle en a le talent. Un dernier tour en caméra embarquée sur le ponton et on se laissera pour cette découverte. Alors que l'on va conclure ce dernier tour avec cette Estonia 21, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Mode à la Mode. J'espère que cette découverte vous aura plu. On se retrouvera ensemble pour vivre de nouvelles expériences avec différents modes très vite. D'ici là, n'hésitez pas à tester cette Estonia et à m'en donner votre ressenti en commentaire. On se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures très vite. À la prochaine, bon amusement en piste. Salut les amis!